Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Inspire. Et aujourd'hui, comme vous voyez, il y a à nouveau la neige dans les Cantals. On est ici à 1500 mètres, ce matin moins 5, la neige tout autour, en mois d'avril. Et donc c'est le destin qui veut que je fasse une vidéo sur le froid. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration qui est peu connue, une technique tibétaine pour s'échauffer dans le froid. C'est une belle technique, je la connais depuis quelques années, je la pratique et je la partage avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et ensuite à liker cette vidéo si ça vous sera utile. Donc la technique des respirations en question, c'est une respiration contrôlée, donc la maîtrise du souffle, qui va vous permettre de chauffer les corps et de produire de la chaleur interne au niveau des poumons, donc vraiment ici. C'est une technique tibétaine des respirations avec des apnées. Comment cela, ça marche? Je vous l'explique d'abord, puis je vous le montre. C'est une inspiration complète par les nez. Apnée poumon plein, je déplace comme si je déplaçais l'air au niveau des côtes et puis du ventre, et je relâche les ventres, je reste en apnée le plus longtemps possible, un certain temps, puis je replace aux côtes, puis à la poitrine, et j'expire par les nez ou par la bouche très lentement, en terminant avec un mouvement sec. On répète cela plusieurs fois. On peut le faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes en mode méditation, en chauffe, dans la neige, dans les froids, bien sûr. Si vous faites cela, il faut être peut-être accompagné la première fois et ne pas rester trop longtemps dans les froids pour ne pas risquer d'aller trop loin par rapport à votre capacité. Mais je vous partage cette technique tibétaine et puis je vous dirai comment la pratiquer par la suite. Donc je vous les montre, on inspire pleinement, je bloque, air dans la poitrine, je déplace intercostal, puis ventre. Je reste là en apnée, puis intercostale, poitrine. Et je répète. Ça, c'est un cycle. On peut continuer à répéter ainsi, sans forcer. Il faut regarder droit devant, la poitrine dégagée, la colonne verticale, la tête alignée. Je l'ai refait une fois, sans parler. Commencez déjà avec une série de 7 respirations, c'est un premier cycle, et puis vous verrez si vous voulez faire un deuxième ou un troisième respiration. En tout cas, je vous conseille de commencer progressivement, sans jamais forcer, d'abord une série de 7, et puis peut-être une deuxième série de 7, et puis peut-être une troisième série de 7. Voilà pour cet exercice des respirations tibétaines pour chauffer. Moi, je sens que la chaleur est produite ici, que le corps est chaud. Bien sûr, il faut adapter cela. Et c'est un exercice très peu connu que je vous partage aujourd'hui. Si vous voulez pratiquer ce type d'exercice comme celui-là, aller un peu plus loin, je suis en train de créer une nouvelle formation des respirations en ligne. Peut-être que vous avez déjà suivi la formation en ligne Inspire, les pouvoirs de la respiration, et vous voulez aller plus loin. Ou alors, vous êtes passionné des respirations, vous avez pratiqué les breathwork, les pranayama, d'autres techniques des respirations, que ce soit Oxygen Advantage, Wim Hof, Soma Breath, ou autre chose, et vous voulez une formation des respirations plus ample, qui aille plus loin dans les explications théoriques et pratiques, avec d'autres techniques que vous ne connaissez pas encore. Donc, on est en train de créer ça pour vous avec Inspire. Je vous invite à partager un commentaire. Quels seraient vos besoins? Qu'est-ce qui vous intéresse à apprendre dans la respiration, que vous n'avez pas encore trouvé, des choses que vous n'avez pas encore compris? Peut-être c'est une explication théorique, peut-être un exercice comme celui-là. Comment utiliser la respiration pour s'échauffer dans les froids? Ou alors encore d'autres techniques de respiration. Écrivez ça dans les commentaires et je vais regarder cela et peut-être je vais vous répondre à cela dans des vidéos
spécifique pour vous, créée pour vous, avec votre besoin, dans cette nouvelle formation des respirations qui va sortir prochainement. Et on va vous laisser aussi dans la vidéo un lien pour en savoir plus et pouvoir nous dire que vous êtes intéressé à cette formation pour savoir quand elle va sortir, pour pouvoir participer, pour pouvoir pratiquer cette respiration et aller encore plus loin. Je vous dis merci, bonne pratique de cette respiration tibétaine pour la chaleur et likez cette vidéo, partagez cette vidéo à toutes les personnes qui aimeraient bien savoir cette technique et abonnez-vous à la chaîne Inspire si ce n'est pas encore fait. À la prochaine, ciao.